Oh. Oui. Le 7 ou le 7? 7 ou 7, c'est pareil. Ben réponds vite. 7 7 7 quoi ou 7? Mais pourquoi 7? Réponds. 7 ou 7? 7 ou 7, c'est pareil. 7 ou 7? 7. Allô. Ouais, appelle Rachid Kinder et dis-lui que Hakim le manchot a le bras long. Ouais, il a le bras long. Rappelle-moi d'une cabine. Ciao, ciao. Allô. Allô. Ouais. Appelle Hakim Boulanger. Dis-lui que Yanis, le dentiste, a une dent contre lui. Voilà. Et rappelle-moi d'une cabine. Ciao, ciao. Ça n'existe pas les hommes fidèles. Oh là, ça n'existe pas. Les seuls hommes qui sont fidèles, c'est les moches. Oh là. Un homme, quand il est fidèle, c'est qu'il n'a pas le choix. C'est vrai. Genre moi, tous mes collègues ils me disent « Ouais, Momo, pour trouver une meuf, ne choisis pas la beauté, regarde son caractère. » Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, son caractère. À croire, c'est son caractère qui va me sucer. Ça me fait rire, les meufs. Les meufs gentilles, c'est les meufs moches. Oh là. Les meufs gentilles, elles sont gentilles parce qu'elles sont pas, elles ont pas le choix. Imagine, elles sont gentilles et moches. Oh là. Pas le choix, oh là. Comme les meufs moches, elles critiquent les bombes. Elles sont là, elles regardent les belles filles, elles disent « Putain, regarde-moi là, cette chouin là. Regarde-moi là, c'est à plein de mecs. » T'aimerais bien faire la chouin toi aussi, mais personne ne veut te baiser. C'est la vérité. Ouais, à chaque fois que je parle à une meuf sur Instagram, elle me dit quoi? Ouais, moi je suis pas comme toutes les filles d'Instagram. Moi je suis à part. Moi je vais sur Instagram que pour regarder les recettes de tiramisu. Voilà, c'est tout. C'est tout, j'y vais que pour ça. Arrête de manger. T'as des meufs sur Instagram, elles sont en public. Les meufs sur Instagram qui se mettent en public, c'est les moches. Tellement elles sont prêtes à tout pour se faire pécho. Eh oh, je suis là, en public. Eh oh. Faut arrêter de mentir avec le réchauffement climatique. Ça fait 50 ans qu'ils nous disent dans 50 ans la planète elle va disparaître. Arrêtez un peu. Arrêtez vos délires. On met la clim et c'est bon. Voilà, arrêtez vos délires. Je parle avec une meuf, elle me dit ouais, tu penses qu'à mon cul. Mais pas du tout. C'est juste que j'aime bien miroiter ton fessier incroyablement rond et circulaire, c'est tout. Oh, un message pour les profs là qui veulent pas rendre les copies du bac des élèves. Pour faire passer leur réforme de merde. La prochaine fois vous allez faire quoi? Vous allez garder les élèves au lycée en otage? Oula, oula, on rend pas les élèves. Tant que la réforme n'est pas passée, on garde les élèves en classe. Vos grand-mères, vos grand-mères, il fait canicule, libérez les élèves. Oula, les profs, ils gardent les copies du bac. Oula, bientôt ils vont garder les élèves. Oula, on rend pas les élèves. Tant que la réforme n'est pas passée, on rend personne. Oula. Moi, je trouve ça grave de prendre l'avenir des gosses. Oula, pour faire passer leur fameuse loi, là. Wesh. Les enfants, les pauvres, libérez-les. C'est la canicule, il fait chaud. Les pauvres, toute l'année, ils ont bossé. Toute l'année, ils ont révisé. Et là, quoi que non, ils n'ont pas révisé. Toute l'année, ils ont fait les flammes. Ils ont écouté du PNL, mais quand même, ils méritent des vacances. Rendez les copies du bac. Ou c'est moi, je me déplace. Oh, les professeurs qui gardent les copies, c'est des professeurs Strauss. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous, rendez les copies. Oh là, ils ont serré, ils ont crissé. Oh! Eh, voilà, on est dans une génération de fous. Prendre des bacheliers en otage. Des bacheliers, des bachelors, les pauvres. Déjà, ils sont en pression. Ils dorment plus. Ils baissent plus. Ils sourient plus. Ils sont en pression. Oh là, et vous leur faites ça, mesquine. Oh, bientôt en France, il y aura un immeuble en feu. Les pompiers ne voudront pas y aller. Les pompiers diront non. Tant que la réforme ne passe pas, on sauve pas les gens. Mais voilà, vous êtes fous, wesh. Incroyable. Laissez les gosses en dehors de tout ça. Voilà, ils ont la pression, mesquine. Ah, c'est bien beau les professeurs qui disent « Ouais, on travaille dans des conditions déplorables. » Qui t'a demandé de faire ce travail? Qui t'a forcé, bordel? Qui, bordel? Voilà. Fallait pas faire prof. Normalement, professeur, c'est une vocation. Tu fais ça avec le cœur. C'est pas un métier, c'est une vocation, professeur. Moi, j'ai passé le bac et je sais ce que c'est attendre le bac. Voilà, c'est pire que attendre le bus l'hiver à 6h du matin. Il n'y a rien de pire, les amis. Voilà, pression. T'es là, tu te renfermes sur toi-même. Tu doutes. Voilà, tu doutes. Même t'es l'intello, tu doutes. Voilà. C'est quoi les revendications des profs? Le pire, c'est qu'ils disent, ouais, on fait cette réforme pour les élèves. Mais les élèves, ils vont avoir le bac, ils vont partir. Ils s'en battent les couilles, votre réforme. La vie de ma mère, ils mentent. Les élèves, toute l'année, ils font des blocus pour rien. Et là, les profs, ils gardent leurs copies, ils bougent pas, ils sont là, ouais, on est sceptiques, ouais. On est dans l'attente d'une réponse. Bande de faibles, va. Voilà, team, il y a 800 euros, là. Tout mon chômage. Je vais soutenir un projet qui me tient à cœur, les frères. Voilà.
Les frérots, vous avez la Dream Team là. Oh là, l'avenir du foot, voilà. Il est là. Ils sont qualifiés pour le tournoi de Neymar, c'est ça? Voilà, c'est du monde. Au Brésil. Oh là, les amis, ils ont battu tout le monde en Belgique. Quoi, Paris aussi? Voilà, les amis, oh là, on va leur souhaiter la force pour le tournoi de Neymar au Brésil. Les frères, un petit billet pour les frérots. Oh là, les frères. Ski le plus grand là? Ski le moniteur de ski? Ben oh là, il va vous arnaquer. Ça, il a une tête d'escroc. Oh là. Bon, les frères, bon courage. Ouais, okay, okay. Bon là, faut... Ils seront en direct, les gars. En direct, ils seront où en direct? Sur quoi? Sur Beansport? Sur le site de Neymar. Ah, c'est de Neymar. Sur Neymar.com, les frères. Vous pouvez retrouver le fils de Zizou, le neveu Nasri, cousin Ribéry et l'oncle Neymar. Il est là, les frères. Bon courage, les chouyas. Inch'Allah que les frères, ils gagnent le tournoi Neymar, les frères. Oh là, courage à eux, des bons petits gars. C'est une baffe, c'est ça? Ouais. T'écoutes quoi comme musique? C'est bien, frérot. Merci. Bang, bang, écoute B2O un peu. Ciao, frérot. Ah, j'ai pas rêvé, les amis. Oh là, il y avait bien un mec avec la musique sur son vélo. Oh là, la France, c'est un pays de fou quand même. Y a pas de fou plus qu'en France, les amis. Le siété, le siété. Le siété ou le seven? Bang, bang. Les correcteurs du baccalauréat de l'Académie de Toulouse ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. Rendez les copies, bordel! Les amis, il y a un rappeur qui se lance. Voilà, présente-toi, frérot. SAMCET, SAMCET sur YouTube, les frères. Fais un petit couplet, bang bang, rapide là, montre-leur ce que tu veux. Un peu 2-3 taf, il a tes sacs qui tournent. Même pas besoin de testostérone, pas de chèque, que t'es. Ah, voilà, c'est nul. Vas-y, bonne journée, frère. Les amis, je me réveille, je suis sur le cul. La vie de ma mère, je suis sur le cul. Samir Nasri au Havre. Benzema à Lorient. Voilà. Lionel Messi à Châteauroux. Riyad Mahrez à La Rochelle. Wesh. C'est quoi ce bordel, Nasri au Havre? Wesh. Certes, soit, ainsi soit-il. Je pense qu'il y a de mal à rentrer en contact avec le corps dévêtu d'une personne féminine consentante au vagin humide et profond. Hein. Moi, je parle avec une meuf et tout, elle me dit « Momo, quelles sont tes qualités ?»« J'ai un bulldog français. »« Quoi d'autre ?» C'est tout. « Ça suffit pour baiser. Regarde comme il est mignon. »« Momo, que penses-tu des ours polaires qui sont en voie de disparition ?»« Bah les couilles. Perso, je suis plus inquiet par les filles vierges en voie de disparition. Hein. » Ouais, il y a les réponses du bac. Les élèves qui ont 12 000 points à rattraper. Wesh, partez à la plage, à la piscine. Perdez pas votre temps. Allez profiter, c'est foutu pour vous. Oh là, c'est foutu, la vie. Moi, il y a un truc qui m'énerve, oh là, c'est quand tu parles à quelqu'un, c'est surtout les meufs. Elle te dit, ouais, je passe le bac. Tu dis, quel bac? Elle te dit, bac pro-vente. C'est pas le bac? Bac pro. Bac pro, c'est pas un bac. Oh là, c'est un diplôme professionnel. C'est comme formation soudure ou formation scaphandrier. Oh là, c'est pas un diplôme général. Oh, les BEP vente. Vous allez vendre quoi à part du shit plus tard? C'est la vérité. Les BEP vente, ils finissent dealer. Oh là, les... À tous les élèves qui sont au rattrapage et qui pensent qu'ils vont pas avoir le bac. Vous avez raison, c'est foutu. Voilà, abandonnez. Les élèves qui sont au rattrapage, vous êtes la honte de la famille. Vous avez pas honte? Vos parents, ils ont mis tous leurs espoirs sur vous. Et vous êtes au rattrapage. Mais vous croyez que vous allez rattraper quoi? À part vos grands-mères, sérieux? Eh, mate-moi ce boulard. Mate-moi ce putain de fessier, mec. Hein, hein, ça te laisse pas indifférent, coquin. Le pire, c'est quand tu vas voir les réponses du bac et tu vois pas ton nom sur la liste. Genre, tu deviens con, t'es là, tu fais putain, mon prénom, il commence vraiment par M, hein, ouais, oh là, tellement tu te remets en question, tu dis, oh, ils sont pas trompés sur mon prénom, la date de naissance, attends, tu regardes tous les tableaux, ça sert à rien, y a pas ton nom, mec, y a pas ton nom, c'est que c'est non, c'est, t'as pas le bac. Les amis, je suis en terrasse, au calme, posé. Regardez cette vue magnifique. Regardez, les amis.
Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui fait chaud? Ouais, serre-leur à boire. Vous êtes combien les gars? 4, ils sont 4. Mets-leur à boire à la table là-bas. C'est pour moi. Mets-les bien là-bas, vas-y.